玄武よ、聖人とたる者、まだ見ぬ未来のために生きねばならん。劉邦よ、覚えているか、俺がライブラのクロスに選ばれたあの瞬間を。代々セイントたちに引き継がれたこのクロスには思いが宿っている。セイヤたち、結局あの子らをまた戦いに赴かせることになってしまったな。Depuis la lointaine époque mythologique, tous les 250 ans, les deux dieux de l'Olympe, Athéna et Hadès, s'affrontent dans un combat acharné pour la domination de la Terre. Et à chaque fois que le mal envahit le monde, les guerriers porteurs d'espoir font leur apparition. On dit que de leurs pieds, ils ouvrent le sol et que de leurs poings, ils déchirent les cieux. Ce sont les saints d'Athéna. Et parmi ces 88 saints, certains ont des rôles spéciaux. L'un est le plus proche de Dieu, l'autre garde un champ de roses empoisonné, l'un est considéré même comme un dieu, un autre a le rôle de déicide et l'un a pour charge de veiller sur le sanctuaire. Mais parmi tous les saints à qui je viens de faire référence, il y en a un qui a un rôle primordial, un rôle qui peut même être qualifié d'ingrat sous un certain angle, celui de maintenir l'équilibre entre le bien et le mal, celui d'être totalement impartial dans les choix qu'il fait, celui de savoir quand il faut utiliser les armes ou pas, le gold saint de la balance. Le rôle de tous les saints est de faire respecter la justice, mais celui de la balance se doit encore plus que les autres d'être épris de cette fameuse justice, et que ce soit Doko, Shiryu, Genbu, et même dans un certain sens Itia, ils étaient tous épris de justice. Ils avaient chacun à cœur de faire ce qui est juste pour les plus faibles, et ce, même si pour certains, cela allait jusqu'à trahir Athéna. En effet, la justice est très loin d'être une notion simple. Le bien et le mal sont en réalité deux choses plus proches qu'on ne le pense. Notre notion du bien et nos actions pour le maintenir sont vues comme le mal pour d'autres, et trouver l'équilibre entre les deux n'est pas chose aisée. C'est exactement ce paradoxe que représente pour moi Itia de la balance, mais bon, on en parlera plus tard dans la vidéo. Comme je l'ai dit, le mal dépend du bien et le bien dépend du mal. C'est en opposition au mal qu'on dit faire le bien et les deux concepts sont donc liés. Un peu comme le yin et le yang. En tout cas, si on peut affirmer quelque chose, c'est que pour trouver l'équilibre entre tout ça, il faut une force de caractère hors du commun. C'est sûrement la qualité première pour accéder au poste de chevalier de la balance. Il y a cette espèce de sentiment mélangeant sagesse et fougue qui se transmet au sein des porteurs de la Libra Cross. En soi, le chevalier de la balance peut être aussi vu comme un représentant ou un messager particulier de Athéna. C'est le seul qui est autorisé à transgresser volontairement une loi établie par la déesse, notamment à travers l'utilisation des armes de la balance. Il est dit que, à condition que la déesse ou que le saint de la balance autorise, il est possible aux 12 gold saints d'utiliser ces armes pour défendre la justice. Et là, on vient à ce que je disais plus tôt, c'est avant tout au chevalier de la balance de déterminer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. On a parfois tendance à penser que c'est au chevalier de la Vierge de le faire, puisqu'il s'agit de l'homme le plus proche des dieux. Cependant, comme je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, dans la plupart des cas, les chevaliers de la Vierge cherchent avant tout la vérité sur le monde. La notion de bien et de mal n'est pas une chose fixe pour eux. Elle évolue. Et cette recherche de la vérité tourmente souvent ces gueules saintes. Les chevaliers de la balance, eux, ont une volonté et une conviction enfoncées dans l'Europe, gravées dans le marbre. Celles-ci ne bougent pas une fois qu'ils ont pris les responsabilités, et ce, même quand les années passent. Et ce rock, il se transmet de génération en génération. Cas exceptionnel pour Itia, faut quand même le noter. Cela fait un moment que je voulais parler des saints de la balance et maintenant ce sera chose faite. Pour ce faire, on va procéder comme on le fait d'habitude. On aura donc 4 parties, chaque partie consacrée à un gold saint de la balance, à savoir Doko, Shiryu, Genbu et Itia. Pour ceux qui savent pas qui est Itia, regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez.
Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Twitch. On fait des lives tous les mardis, vendredis, samedi, dimanche à 21h. Tous les liens sont en description. Sur ce, Ohayo Mina, c'est Hiro, et aujourd'hui, on parle des Laiburano Seinto. Tenmoyo, washi wa ima omou. Omae to no deai wa keshite guzen dewa nakatta to. Avez-vous déjà souhaité de vivre longtemps? Il est certain que chaque être humain sensé aimerait prolonger sa vie le plus longtemps possible. Mais avez-vous déjà réfléchi aux conséquences d'une telle prolongation? Plus l'on vieillit, plus le monde autour de nous change. Plus l'on vieillit, plus ceux qui nous sommes chers disparaissent, et ce, sans compter la possible souffrance physique qui accompagne le vieillissement. Mais surtout, jusqu'où voudriez-vous prolonger votre vie? En tout cas, dans Saint Seiya, deux hommes en ont fait l'expérience en vivant plus de 200 ans chacun. Ces deux hommes se nomment Shion et Doko. Et ici, c'est le sein de la balance qui nous intéresse. En effet, Doko a eu une très longue vie, une vie qui a duré 261 ans. Une vie de deux siècles où il était cantonné à la même activité encore et encore, car tandis que son ami Shion devait veiller sur le sanctuaire et aider la nouvelle génération des saints, lui, le grand saint de la balance, devait rester assis devant la cascade de Rosan à surveiller les 108 étoiles maléfiques. Au-delà de la pénibilité de l'activité, ce qui semble être une grâce est en réalité une corvée. Si on se fie aux paroles de Shion et aux différents prologues qui nous ont été offerts par Kurumada, l'ex-grand pop et Doko sont bel et bien les seuls et unique survivant de la guerre sainte du 18e siècle. Tous leurs compagnons sont morts au combat. Quand on lit Saint Seiya Next Dimension et qu'on analyse le véritable passé de Doko et Shion, on se rend compte que ceux-ci ont grandi avec tous les chevaliers d'or de cette époque. Au-delà d'être des compagnons de combat, on peut peut-être même dire que ce sont des sortes de frères. Alors, il semble y avoir une différence d'âge avec certains saints comme Kaiser, Deftol et Ox, etc. Mais ils ont quand même passé énormément de temps avec eux durant leur entraînement. Imaginez donc que tous ceux à qui vous tenez, tous ceux avec qui vous avez versé du sang, disparaissent et que vous devez vivre encore 241 ans. Eh bien, c'est ce que Doko a ressenti pendant la majorité de sa vie. Mais épris d'un grand amour et d'un grand sens du devoir, il effectuera sa tâche sans respecter ni se plaindre. Et pourtant, au fond de lui, je suis sûr qu'il mourrait d'envie de rejoindre ses compagnons d'armes. Mais comme je l'ai déjà précisé, tout ça fait non seulement partie de son rôle de saint, mais aussi partie de son rôle de saint de la balance. Encore plus que les autres, le saint de la balance doit à tout prix faire ce qui est juste et faire respecter cette même justice. Et le meilleur moyen de faire respecter cette justice pour lui, c'était d'accepter le mésopétaminose et de surveiller les spectres. Si on analyse avant tout le Doko canon, à savoir celui de la version originale et celui de Next Dimension, on peut remarquer une certaine dualité dans son comportement. En effet, Doko jeune que l'on voit dans Next Dimension est un Doko extrêmement téméraire, même encore plus téméraire que Seiya selon moi, Seiya qui pourtant n'est pas en reste de ce côté. Cette attitude contraste complètement avec le Doko que l'on a connu dans l'œuvre originale qui est la sagesse incarnée. Cette dualité peut représenter un équilibre qui va avec son signe de la balance, équilibre entre l'énergie négative et l'énergie positive, équilibre entre le yin et le yang et aussi équilibre entre le dragon et le tigre, deux signes chinois auxquels est lié Doko. Je m'étais déjà fait cette réflexion en préparant la vidéo, mais pour être honnête, je l'ai affinée en faisant mes recherches, particulièrement sur le site Saint Seiyapedia, donc je tiens à dire un grand merci à eux, ils font un taf incroyable. J'irai même un peu plus loin dans la réflexion, la sagesse, Doko l'a acquis après énormément de temps. Je dirais même que la majorité de cette sagesse, il l'a acquis après la guerre sainte. Parce que quand on y pense, si on considère que le monde de Saint Seiya jusqu'en 1986 a connu les mêmes événements que notre monde, il n'est pas insensé de penser que Doko a vu certaines atrocités comme celle de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Death Mask, quand ils rendent visible à Doko et qu'ils ont une espèce de conversation sur la justice, le bien et le mal, parle des nazis, donc c'est totalement possible. Tous ces événements lui ont forgé une sagesse et l'ont aidé à devenir la balance accomplie qu'il a été. Ce serait donc pour ça qu'il a un regard aussi humble et calme sur des actions des humains, dont celle de Saga. Ce n'est qu'une simple théorie, mais je la trouve assez pertinente avec le personnage de Doko, donc je vous la partage. Mais dans tout ce malheur que je suis en train de décrire, il semble y avoir eu une lumière, et cette lumière porte le nom de Shiryu. Ce gamin qui a débarqué à Rosan afin d'obtenir l'armure du dragon a eu un véritable impact sur le quotidien de Doko. Doko a pu transmettre son savoir, mais également son expérience à quelqu'un.
tout ce qu'il a appris au cours de ses combats passés est aujourd'hui entre les mains d'un membre de la nouvelle génération. Et de ce fait, même si lui est mort, son héritage continue à vivre en Shiryu et il continuera à vivre éternellement quand celui-ci le transmettra à son tour. Mais il ne s'agit pas que de l'aspect maître-disciple, car en réalité, Shiryu était bien plus que ça pour Doko. Et on le voit dans les combats importants de Shiryu, on voit que dans le fond, s'il le pouvait, il évitera à son disciple de risquer sa vie. D'une façon générale, il est extrêmement admiratif, mais est également peiné de voir Seiya et ses frères risquer leur vie pour la bonne cause. Voilà pourquoi lui et Athéna, au début, ne voudront pas que les frères chevaliers de bronze participent à la guerre sainte, puisqu'ils ont déjà énormément souffert. Mais c'était mal connaître leur fratrie. Aussi bien que lui, Doko, est animé par l'envie de protéger sa déesse, ceux-ci possèdent également cette volonté inébranlable. Avant de finir, j'aimerais aussi parler du Doko de Saint Seiya The Lost Canvas. En effet, dans le tome 6 de Saint Seiya The Lost Canvas Chronicles, on a quelques infos sur le passé de Doko. Passé non canon, mais passé très intéressant quand même. On apprend qu'à la base, Doko voulait devenir ce qu'on appelle un Taonia. Les Taonia, c'est des guerriers qui vivent reculés du monde et qui sont passés sous des signes d'animaux. Et comme vous le devinez, Doko, lui, était passé sous le signe de celui du tigre. Mais un jour, son maître, qui était un dragon se nommant Hakuryu, donc dragon blanc en français, l'envoya à Rosan sous la gouvernance d'un autre de ses amis dragons. Sauf que cet autre dragon n'était pas un dragon normal. Il y a plus de 1000 ans, ce dragon était en réalité un homme. Malheureusement, un jour, cet homme perdit sa fiancée et c'est alors qu'il sombra dans la violence et dans les ténèbres. C'est ainsi que petit à petit, il se mit à vivre comme une bête et qu'il se transformera en dragon. Et peut-être dans le but que la même chose n'arrive pas à Doko, Hakuryu le confie à cet homme devenu dragon. Comme ça, il ne se laissera jamais desséché de son humanité. Mais en réalité, dans les yeux du maître de Doko, ce n'était pas de la violence qu'il y avait, mais bel et bien de la tristesse. La tristesse de s'être écarté du chemin noble qu'il aurait voulu suivre. Et avant que toute trace d'humanité disparaisse en lui, ce dragon se donna la mort en exécutant le Rosan Koryuha, ou l'ultime dragon en français. Le fait d'utiliser cette attaque dans ce contexte est loin d'être anodine, car dans le manga original, Doko explique que le surnom de cette technique est le Koryu du regret. C'est donc en regrettant ses actions et en regrettant ce qu'il est devenu que le maître de Doko, dont on ignore le nom, exécutera cette technique ultime. C'est pour ça que Doko se sent aussi proche de Kagao, car malgré le fait que ce soit son ennemi, il voit dans les yeux du Benu la même tristesse qu'il voyait dans les yeux de son défunt maître. Et c'est aussi pour ça que dans un élan de bonté et de nostalgie de son maître, Doko voulut se sacrifier en emportant Kagao avec lui. Non pas parce que c'est son ennemi, mais pour lui offrir une mort digne de ce nom, avant qu'il ne perde complètement son humanité. Mais Kagao, ayant compris les intentions nobles et pures de son adversaire, il se sacrifia pour sauver Doko, exactement comme fit Shura pour Shiryu. Et pour finir avec le Doko de The Lost Canvas, il y a Tenma, ce garçon qu'il a rencontré dans un village en Italie par hasard. Ce garçon qu'il prendra sous son aile et ce garçon dont il fera un chevalier. Et tout comme avec Shiryu dans la série originale, leur relation allait plus loin que la relation maître-élève. Tenma est avant tout son ami. Malheureusement pour eux, la fin fut tragique. Tenma, Alone et Sacha durent poursuivre Hadès dans Elysion et Tenma promet à Doko que les deux se reverront. Promesse qui ne pourra jamais être tenue, car il mourut avec ses deux amis d'enfance dans l'Elysium. Pour Doko, Tenma représente le symbole de la guerre sainte, le symbole de la victoire, le symbole en qui tous les saints, dont lui, avaient placé leur espoir. Et on le voit encore plus dans son Chronicles, Tenma lui manque énormément. Il aimerait sûrement le rejoindre, mais il ne le peut pas. Il ne le peut pas car il doit avancer et il sait que c'est ce qu'aurait voulu son ami Tenma. Alors, je ne parle volontairement pas trop du Doko de Saint Seiya Next Dimension pour la simple et bonne raison que l'œuvre est encore en cours et qu'on n'a pas, selon moi, suffisamment de recul sur le personnage. Mais grosso modo, dans cette œuvre, on a affaire à un Doko téméraire et fougueux. Mais c'est toujours le même Doko gentil et aimant qu'on connaît. Ici, il n'a pas de disciple comme dans The Lost Canvas, mais il a un ami. Un ami du nom de Suikyo qu'il dut malheureusement tuer. Et même si on n'a pas encore vu toutes les conséquences de cet acte, il est clair que son geste le marquera à vie. Thank you.
Doragon no Shiryu, un des 100 enfants de Mitsumasa Kido, envoyé pour dénicher une armure. Et l'un des 10 enfants à être revenu avec l'une d'entre elles. La vie de Shiryu et de ses frères n'a pas été quelque chose de simple. À 8 ans à peine, ils ont subi un entraînement de saint extrêmement difficile, puis à 13 ans, ils dû risquer leur vie pour un bien commun. Oui, parce qu'au fond, c'est ça l'histoire de Saint Seiya. C'est l'histoire de 5 frères qui n'ont pas choisi leur destin. 5 frères qui sont nés chacun sous une étoile qui ne peut les mener que jusqu'à un seul point, la mort. Mais comme Seiya le dira à Mio, ces 5 frères chevaliers de bronze ont fini par accepter leur destin. Tout comme Mitsumasa Kido, leur père biologique, a accepté le sien en se faisant détester par ses propres enfants. Si pour la plupart des jeunes de leur âge, profiter de la jeunesse rime avec sortir, faire la fête, boire ou encore jouer, pour eux, cela consiste à combattre les forces du mal et à faire régner la justice pour que ces jeunes-là puissent continuer à vivre la vie qui leur plaît. À peine 13 ans et 14 ans, les membres de cette fratrie ont décidé de donner leur vie pour un bien commun. En réalité, l'histoire de Shiryu et de ses frères, c'est l'histoire de la vie de beaucoup de garçons. L'histoire de Saint Seiya, c'est l'histoire de 5 frères qui apprennent à devenir des hommes. Mais au final, c'est quoi être un homme en réalité? Pour moi, il n'y a pas une seule réponse à cette question, mais si je devais résumer et faire simple, être un homme, c'est devenir meilleur tout en acceptant qui on est. Être un homme, ce n'est pas renier notre part d'ombre, mais essayer de la combattre afin de pouvoir évoluer. Être un homme, c'est vivre pour ses convictions, quel que soit l'avis du reste du monde, et c'est ce que les frères chevaliers de bronze, particulièrement Shiryu, ont fait. Vous l'aurez compris, dans ma définition, il y a autant de réponses à la question « qu'est-ce qu'être un homme ?» qu'il y a d'hommes sur Terre. Et ça, ça se reflète avec les chevaliers de bronze. Seiya, c'est la ténacité et le fait de défier le système en place. Hyoga, c'est le calme, c'est la sérénité. Ikki, c'est la force absolue. Shun, c'est le calme et la compassion. Et enfin, Shiryu, c'est la droiture. Le respect de ce qui a existé bien avant lui, le respect du divin, le respect de la vie, mais surtout le respect de la justice. Shiryu est quelqu'un de profondément épris de justice. Et c'est pour ça qu'il est le successeur naturel à son maître Doko au poste de Libra. Jamais, au grand jamais, Shiryu, depuis qu'il est devenu ça en tout cas, n'a agi par égoïsme, contrairement à ses frères. Par exemple, Seiya, lui, voulait retrouver sa sœur et Shun voulait retrouver son frère. Mais si Shiryu s'est rendu au Galaxie Noir, ce n'était que pour exprimer sa gratitude envers son maître. Ce même maître qui lui a montré que la vie valait le coup d'être vécue. Shiryu dira à Shenrei qu'il a voulu devenir saint pour pouvoir surmonter toute épreuve qui se dresse devant lui. Eh bien, cette droiture qu'il a acquise lui permettra cela. Et cette droiture, Shiryu la transmet instinctivement à ses adversaires. Tous, ou presque, finissent par éprouver un immense respect à l'égard du chevalier du dragon. D'ailleurs, ce dragon dans le dos de Shiryu est également une marque de cette fameuse droiture. On rigole souvent, et moi le premier, du fait que Shiryu enlève constamment son armure, et pourtant, cela va très bien avec le caractère de notre cher saint. Car qui dit droiture, dit également honnêteté. Et le fait d'être proche du plus simple appareil pourrait représenter cette honnêteté qui anime Shiryu. Dans cet état, il se débarrasse de l'arrogance générée par le port de sa protection. C'est ainsi que son art s'exprime le mieux. Ainsi, ce dragon qui n'apparaît dans le dos de Shiryu que quand il pousse sa cosmo-énergie à son paroxysme est aussi la marque de sa détermination à toute épreuve. Dragon qui pourrait aussi rappeler Ryujin, le dieu dragon des mers dans la mythologie japonaise. J'irais même plus loin dans cette théorie. Et si en réalité, Shiryu était une sorte de représentation de Ryujin sur Terre? Non pas forcément par la puissance, mais par le comportement. Parce que si parmi ces 5 frères, on devrait en ressortir un pour être un dieu, ce serait bien Shiryu. Gentil sans l'être trop, sévère sans être trop brutal, téméraire sans être effronté, calme sans être arrogant ou froid. Avant d'être l'équilibre entre les 12 chevaliers d'or, il est l'équilibre entre ses 4 autres frères. Et en parlant de ses frères, il y en a un avec qui il a noué une relation toute particulière, c'est Seiya. Et cela commence avant même qu'ils apprennent qu'ils étaient liés par le sang. Ça a commencé au Galaxy Wars, lors de leur affrontement. Pour moi, ce combat est l'un des plus beaux de Saint Seiya. Deux adversaires qui se battent sans haine. L'un pour retrouver sa sœur et l'autre pour remercier son maître. Shiryu fut le premier à reconnaître en Seiya un honorable combattant et Seiya fut le premier à reconnaître en Shiryu la même chose. Et une fois le combat fini, les deux, sans rancune, redeviennent des frères et surtout, ils deviennent
des amis. Shiryu, c'est quelqu'un d'extrêmement reconnaissant. Tout comme il sera reconnaissant à vie envers Doko, il sera reconnaissant envers Seiya pour lui avoir sauvé la vie. Et c'est de là qu'est né le duo Seiya-Shiryu. Et c'est au nom de cette reconnaissance qu'il ira au péril de sa vie faire réparer l'armure de Pégase et du dragon. Cette détermination qu'a Shiryu est même contagieuse. Tellement contagieuse que même le dragon noir, qui est pourtant censé être le mal absolu, a voulu y croire. Il a voulu croire en l'amitié. Shiryu est le seul parmi ses frères à avoir pu convaincre un Black Saint de changer. Preuve peut-être que Shiryu lui-même n'a pas de double maléfique. Si vous me suivez depuis longtemps, ou même juste avec cette vidéo, vous vous êtes rendu compte que j'insiste énormément sur le fait que nos 5 chevaliers de bronze soient frères dans le manga. Car oui, contrairement à l'anime où ce sont des amis liés par le même destin, ce qui est tout à leur honneur d'ailleurs, dans le manga, ce sont bel et bien des frères de sang liés par le même destin. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus fort. Pour moi, ça signifie que leur sang, tout comme celui de leur père, et comme qui dirait, maudit par le destin. Ce sont 5 frères qui versent leur sang maudit et qui se soutiennent ensemble. Comme dit Raiki, c'est de l'amour fraternel, rien d'autre. Et ça, ça se sent même dans les dialogues. Par exemple, Seiya dira à Aiolia qu'il ne vendra jamais ses frères. Quand ils se soutiennent dans l'avancée des 12 maisons, ils se soutiennent en tant que frères de combat, comme dans l'anime, mais aussi en tant que frères de sang. Ça augmente encore la symbolique. Et pour en revenir à Shiryu, j'aimerais parler de quelque chose que j'ai évoqué tantôt. Je disais que tous les adversaires de Shiryu, ou presque, finissaient par le respecter. Et le presque faisait référence à son affrontement contre Deathmask du cancer. Si Shiryu est la droiture et l'altruisme, alors Deathmask est l'opposé exact de celui-ci. Masque de mort est la pire chose que l'on puisse trouver dans le sanctuaire. Il est mauvais, sadique, égoïste, orgueilleux, vaniteux, prétentieux. Bref, en d'autres termes, c'est la plus grande crapule du Jonikyu. Contrairement à son ami Aphrodite, qui lui est semblable aussi, lui n'a aucune classe, aucune élégance, et suffit même de voir la façon dont il se tient et toutes ses postures. Non, Deathmask a vraiment été créé pour être détesté, c'est ce que je pense. Je dirais même qu'il semble avoir été créé pour combattre Shiryu vu comment ils sont opposés. Masque de mort sera le premier et l'unique chevalier pour lequel Shiryu aura de la haine. Et c'est également le seul que sa détermination n'aura réussi à ébranler. Et pourtant, tous les autres furent subjugués par Shiryu. A commencer par le dragon noir dont on a parlé tout à l'heure qui a voulu croire en l'amitié grâce à lui. Shura qui reconnut qu'il faisait fausse route et qui lui confiera ce qu'il a de plus précieux, à savoir l'Excalibur, l'épée sacrée qui fait régner la justice. Il y a également eu Krishna de Krisaor qui a répété à maintes et maintes reprises qu'un homme de sa trempe était rare et qu'il le respectait. Gagner le respect de ses ennemis n'est pas chose aisée, mais Shiryu, lui, a réussi quasiment à chaque fois. Et toute cette détermination, il a transmise à son fils Ryuho, et après la mort de son codisciple, il reprit courageusement le rôle de chevalier de la balance, allant affronter les palalistes de premier rang. Et dans l'œuvre originale, Shiryu, en tant que saint de la balance, même s'il ne la porte pas encore officiellement, fait régner la justice, et c'est cette justice qui a pu renvoyer l'attaque ultime qu'est l'Athéna Exclamation à lui tout seul. Mais si on devait lui trouver un défaut, ce serait de faire souffrir la personne qu'il aime le plus. Et qui l'aime le plus ? Shenrei. Shenrei est une des lumières de la vie de Shiryu. Lui, orphelin qui n'avait jamais pu s'attacher à quelqu'un d'avant, découvre l'amour à travers les yeux de cette magnifique femme de l'Orient. Voilà pourquoi son cœur saigne sûrement atrocement à chaque fois qu'il doit la quitter. Il sait qu'il lui fait du mal. Mais malheureusement pour la jeune femme, elle s'est éprise d'un homme qui est né sous une mauvaise étoile. Et cela voudrait peut-être dire qu'elle-même est née sous une mauvaise étoile. À chaque fois que ces deux-là essayent d'avoir une vie normale, le devoir s'empare de Shiryu. Même quand après toutes les batailles, après Hadès, on pensait que c'était fini, que les deux pourraient vivre leur amour au grand jour, et qu'ils vont même jusqu'à adopter leur fils du nom de Shoryu, Shiryu doit une nouvelle fois abandonner sa famille. Et là, c'est très très important parce que avant, c'était juste Shenrei qui laissait. Maintenant, en plus de laisser la femme qu'il aime, il laisse également son fils. Et pourtant, dans le rêve provoqué par Ulysse, le 13e chevalier d'or, on voit bien que son plus grand rêve, le plus grand désir qui est tapis tout au fond de son cœur, c'est de vivre aux côtés de sa famille. Mais il finit par se réveiller en disant qu'il ne peut pas mourir paisiblement de vieillesse. Non, il ne peut mourir que sur un champ de bataille. Tel est le destin de Toussaint et surtout tel est le destin des 5 frères. C'est en récompense de la reconnaissance de ce destin que Ryujin, le dieu dragon, lui confiera une de ses gemmes. Voilà donc ce qu'est Shiryu, un homme épris de justice, un homme altruiste, mais surtout
un homme juste et qui est voué dans le futur endosser l'armure qui rend le mieux la justice, l'armure de la balance. Laiburano Genbu, Gold Saint de la Balance, mais également disciple du légendaire Doko et co-disciple de Shiryu. Quand on regarde les deux saints de la Balance que l'on vient d'analyser, on se rend compte qu'ils étaient réellement faits pour être en possession de cette armure d'or. Doko, bien qu'étant très téméraire dans sa jeunesse, était déjà à son jeune âge épris de justice. De plus, en vieillissant, il acquit une sagesse défiant toute épreuve. Shiryu, il n'y a pas besoin de trop expliquer, l'on vient juste de le faire, et on a vu que c'était la droiture en personne. L'homme qui, quels que soient les dangers, ne vacillera jamais. Sauf que Genbu, comparé à ses deux prédécesseurs, était l'opposé de tout ça. Il était négligent, feignant et n'était animé d'aucun désir de justice. En quelques mots, Genbu était un enfant perdu. Que ce soit son maître Doko ou son co-disciple Shiryu, personne ne le croyait capable un jour d'endosser l'armure de la balance, qui est sûrement l'une des armures qui requiert le plus de sagesse. Et pourtant, à la surprise de tout le monde, ce jour arrivera. C'est naturellement que cette clause qui nécessite tant de responsabilités l'a choisi. Et lui qui ne se considère que comme un golsain de substitution, remplira son rôle à la perfection. Autant que les autres chevaliers d'or de la balance, il assurera l'équilibre, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Il n'y a qu'à voir le moment où il empêche, par exemple, son tueur de tomber en ruine lorsque Médée voulait le détruire. Quand il s'agit d'être au premier plan, il ne se défile pas. Il assume ses responsabilités. Attention, je ne dis pas que les autres Gold sont des lâches, non, pas du tout. Fudo, Seiya, Integra et Arbiter sont aux côtés de Saori pour le protéger et c'est une mission de la même importance que ce que fait Genbu. Mais là où la plupart des Gold sont en retrait pour protéger Athéna, Genbu, lui, est au front pour de 1 défendre les plus faibles, mais pour aussi surtout être aux côtés des jeunes saints, de ceux qui n'ont pas encore complètement trouvé leur voie, ceux qui sont hésitants et qui commettent encore des erreurs. Ceux qui sont comme lui, il était il n'y a pas si longtemps de ça. C'est sûrement en mémoire du petit garçon insouciant qu'il était, qu'il tient tant à transmettre son enseignement à Koga et les autres. Car oui, Genbu est en quelque sorte aussi leur mentor. Il ira jusqu'à donner sa vie pour leur apprendre ce que doit être un saint et pour leur montrer le chemin vers la maîtrise ultime. Tout comme son maître Doko lui a transmis son savoir, lui à son tour transmet son savoir à la nouvelle génération. Ainsi, la flamme de leur cosmos, et ce même s'ils ont quitté cette terre, ne s'éteindra jamais. Elle continuera à vivre encore et encore. Et c'est toute l'histoire de la vie d'un saint. C'est pour ça qu'il demandera à ses amis de ne pas le pleurer. Car c'est son destin, c'est le destin de ceux qui ont le malheur de naître sous la protection de l'une des 88 constellations. Et oui, il n'existe pas de fin heureuse pour ces gens-là. Est-ce vraiment une grâce de naître chevalier? Certes, ceux-ci sont honorés de mourir pour l'amour et la paix sur Terre, mais d'un point de vue objectif, est-ce vraiment une chance? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ce qui est sûr, pour le saint de la balance Genbu, c'était la meilleure fin possible. Mourir en détruisant une petite partie de l'épée de la destruction d'Hyperion et légère fissure qui permettra à ses compagnons de vaincre le palaliste de premier rang dans un ultime affrontement. J'aime beaucoup l'histoire de Genbu parce que c'est une histoire qui nous donne de très très grandes leçons de vie. Une leçon qui dit que même si on est négligent et insouciant comme l'était Genbu, on peut devenir un homme droit et honnête. Quand je disais que Genbu était une sorte de mentor pour Koga et les autres, je n'exagérais pas. Il est vrai que c'est Seiya qui a principalement montré la voix de Omega au jeune saint, mais Genbu y a à travers son ultime conga beaucoup de contribué. Quand il les sermonne sur la façon de tenir leur clause, c'est pour leur expliquer qu'il ne faut pas se reposer uniquement sur un pouvoir extérieur. Ce qui compte réellement pour un chevalier, c'est sa force intérieure, celle qui l'enflamme avec son cœur, le cosmos. Faire brûler son cosmos de façon plus intense que son ennemi, tel est le secret des saints pour vaincre. C'est en transmettant ce dernier enseignement qu'il a hérité du vieux maître qu'il rendit son dernier soupir. On arrive donc à notre dernier chevalier, Itia de la Balance. Itia de la Balance est un chevalier qui n'apparaît que dans les chroniqueuses de Saint Seiya's Lost Canvas, particulièrement dans les deux derniers.
Il est celui qui a précédé Doko au poste de saint de la balance et il a été le saint de la balance pendant la guerre sainte du XIIIe siècle, mais également pendant celle du XVe siècle, en partie en tout cas, puisqu'il occupait la place du grand pope à ce moment-là. Mais des 400 qu'on a évoqués, Itia est sûrement le gold saint de la balance le plus atypique, mais tout comme Genbu, c'est ça qui le rend intéressant à nos yeux, en tout cas au mien. Mais pour comprendre le personnage de Itia, il faut tout d'abord comprendre le conflit interne qui a déchiré le sanctuaire au XVe siècle. Dans le tome 15 de Saint Seiya The Lost Canvas Chronicles, on a le chevalier du scorpion, Zafiri, donc prédécesseur de Cardia, qui a trahi le sanctuaire. Sage, qui est en ce moment-là grand pop, enverra donc le prédécesseur et maître de Albafica, Lugonis des Poissons, afin de le raisonner. En fait, Zafiri, voyant les étoiles maléfiques se réveiller et Athéna qui ne naissait toujours pas, prit peur pour la victoire des saints. Voilà pourquoi il tentera de réveiller l'âme du dieu des mers, Poséidon, afin qu'il commande à l'armée d'Athéna. S'ensuit donc un combat entre le scorpion et le poisson, un combat entre un homme au sang empoisonné et un homme qui administre un poison. C'est assez cocasse en vrai. Hein. Mais ce combat fut stoppé par celui qui était réputé pour être le plus puissant des chevaliers de son époque, Ilias du Lion, le grand frère de Sisyphe du Sagittaire et le père de Régulus du Lion, le prodige. Pour ceux qui veulent connaître l'histoire de Ilias et de Régulus, j'ai déjà fait une vidéo il y a 2 ans. Tout est dans la playlist spéciale pour ça, vous allez dans la playlist, vous trouverez. C'est suite à l'intervention qu'on se rendit compte que malgré sa trahison, Zafiri s'était infligé le châtiment des 15 aiguilles écarlates. Il avait fait, car même s'il avait ses raisons, il se sentait coupable d'avoir trahi le sanctuaire et coupable d'avoir réveillé Poséidon. Il restait un saint avant tout. Mais bonté divine, un autre chevalier d'une grande classe débarqua pour stopper l'apparition de Poséidon, et ce chevalier c'était Creste du Verseau, le maître de dégel du Verseau. J'en parlerai beaucoup plus dans ma vidéo consacrée au saint du Verseau, mais Creste est le chevalier d'or du Verseau du 13e, 15e et d'une partie du 18e siècle. Ouais, on peut dire que le Bouga a bien vécu. Mais cette extrême longévité s'explique par le fait qu'il a reçu le don de Mésopotaminos de la Athéna du 13e siècle. Une fois tous les problèmes réglés, un autre centenaire débarqua, Hakurei de l'Hôtel. C'est à ce moment qu'il décide de conter au jeune gold saint la tragédie du sanctuaire du 15e siècle. Pour résumer, 260 ans avant la guerre du 18e siècle, Hadès a infiltré le sanctuaire, mais cette fois-ci, il a été un petit peu plus habile. Il s'est arrangé pour corrompre non pas des défunts comme il le fait d'habitude, mais bel et bien les 12 chevaliers d'or bien vivants. Imaginez le truc. Mais pour ça, il se servit d'un traître au sein du sanctuaire. Le nom de ce traître est Gedgar du Bélier, prédécesseur de Chion et de Avenir, mais bon, c'est un cas spécial, je l'ai aussi expliqué dans une vidéo. Gedgar veut créer un âge d'or, l'âge où les dieux et les humains vivaient en harmonie, et pour ça, il veut purifier la terre des hommes et livrer le tout à Hadès. Mais pour ce faire, il commencera par tuer son mentor, celui qui lui a tout appris, le grand pop, Itia de la balance. Mais très vite, on se rendu compte que Itia était celui qui tirait les ficelles de cette rébellion et que lui et son disciple étaient de connivence. Ainsi, grâce à cette ruse, Itia put ressusciter non pas avec son corps de vieillard tout raplapla, mais avec celui qu'il avait quand il était Golsin de la balance, celui qu'il avait quand il était à son prime de puissance. Vous vous rendez compte, le chevalier d'or de la balance, qui est censé être le chevalier le plus épris de justice et qui plus est le grand pop, est en réalité un traître. C'est pour ça que je disais que c'était le saint de la balance le plus atypique. Mais il est important de se demander pourquoi Itia a trahi le sanctuaire, parce qu'il ne l'a pas fait pour rien. Il faut savoir qu'en plus d'être le maître et un peu le père de Gedgar du Bélier, il a également été le maître de Sage et Hakurei. Itia a eu une longue vie, une très longue vie. Il a pu observer les hommes et leurs agissements pendant un siècle entier. Il a vu des guerres, des atrocités, et peut-être même des génocides. Et tout ça sans que les dieux ne fassent rien. Il en est donc venu à perdre la foi en l'humanité, décidant que tous les hommes sont mauvais. Voilà pourquoi il décidera qu'à partir de maintenant, il fera régner la paix sur le monde par la force, en le divisant en 12 parties gouvernées chacune par un des golds. Mais Itia n'est pas méchant. Comme le dit son meilleur ami Crest, il s'est toujours battu pour la paix et l'équilibre. Cependant, Itia, dans sa quête de la véritable paix, s'est laissé consumer par le désespoir. Lui, le gold sainte de la balance qui maintient l'équilibre, a connu le doute, voilà pourquoi il a sombré. Mais dans le fond, Itia est un être profondément juste et on le voit dans son combat contre Sage et Hakurei. À la suite de son combat féroce, le casque du pop désignera Sage pour devenir le prochain pop. Et Itia savoura donc vaincu et se sentit apaisé. Il était content de voir que ses élèves avaient bien mûri et que, comme le dit Crest, les deux jumeaux représentaient l'équilibre et l'harmonie qu'il a toujours recherché. Et donc, dans cet élan de paix, il mourut et confiera la suite à ses disciples et à la nouvelle génération. Voilà donc ce qu'était Itia de la balance, un homme aimant,
bon et juste, un homme qui s'est fourvoyé en cherchant à sauver. Et malgré tout, Itia était un excellent gold saint de la balance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu. Elle m'a pris un peu plus de temps parce que j'ai voulu prendre mon temps, etc. Normalement, si tout se passe bien, je devrais reprendre un rythme de parution de vidéos normal, donc 2 vidéos par semaine, par mois ou là. Normalement, tout est bon parce que j'ai plus d'examen, j'ai encore les streams. D'ailleurs, venez me suivre sur Twitch et en bio. Mais ça devrait le faire, franchement ça devrait le faire. En termes de Saint Seiya et les prochaines vidéos, normalement j'ai prévu les taureaux, j'ai aussi prévu les Verseaux pour un peu plus tard. J'ai aussi des petites vidéos un peu moins longues, un peu moins on va dire travaillées, comme par exemple un petit top des divinités Saint Seiya. Il y a aussi le top des God Warriors de Asgard que je voulais faire, etc, etc. Et des petites vidéos, une vidéo sur Yoman Mephistopheles, père de Tenma, etc. Bon, bref, des petites vidéos comme ça sur Saint Seiya. J'ai pas tout le temps des grosses idées de vidéos. Donc voilà. Bref, j'espère que ceci vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, ça fait plaisir. Les réseaux en description. Et portez-vous bien. Prenez soin de vous. C'était Hiro.